sujet, c'était un peu le résumé de tous les conf précédents, un petit peu. En fait, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était comment on peut expliquer à des entraîneurs, des éleveurs que il faut prendre conscience, et la prise de conscience, elle peut être compliquée. Et donc nous, on a imaginé avec l'équipe essayer de mettre en place un écosystème qui vise à accompagner les entrepreneurs des courses, à savoir entraîneurs, éleveurs, etc., à dynamiser le lien social interne et externe au cœur de l'entreprise, avec un objectif, c'est soulager et impliquer l'entrepreneur dans les fonctions support. Elles peuvent être des fonctions RH, mais le lien social, c'est aussi le lien social avec les propriétaires, les clients. Et ça, c'est pas forcément très bien fait, en tout cas, ça peut être mieux fait. Et donc, on s'est attardé à essayer d'imaginer un moyen de faire prendre conscience à l'univers qu'il y avait besoin de faire cela. Jean-Bernard en a pris conscience ce matin. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer un label bien-être social chez les entraîneurs et les éleveurs. En fait, pour ça, on a copié ce qui se fait dans le sport. C'est la répartition des droits de TV dans le foot, dans le rugby, dans le basket. Il y a une partie variable qui est sur le nombre de matchs qui sont diffusés. Et l'autre partie, c'est une répartition sur la structuration de chaque club. Est-ce qu'il y a un DAF dans un club? Est-ce qu'il y a un projet club? Est-ce que le kiné se déplace avec l'équipe le soir? Et en fonction de différents critères qui sont remplis, il y a une répartition de droits de TV. Donc ce qu'on se proposait de faire, c'est créer ce cahier des charges, un label or, argent, bronze, autour du bien-être et le lien social chez les entraîneurs et les éleveurs. Et en fin d'année, on va dire, là où vous avez les trophées du personnel, avoir le trophée de l'Happiness and Racing Manager dans les courses de trot et de galop. Voilà, notre objectif, c'est de pouvoir encourager les entraîneurs et les éleveurs à pouvoir mettre le lien social au cœur de leur projet d'entreprise via la création de ce label qui les incentiverait économiquement à mener cette politique.